Bon, on la sort pas celle-là, je crois que c'est trop problématique. Celle-là, on ne celle la sort pas. Celle-là, celle vous ne la... Vous la verrez jamais, on ne parle à personne du coup. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou Ça va très très bien et toi Ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour abouer le combo, évidemment, évidemment parce que personne euh, ne partage de nouvelles decklists. Ils jouent tous Raffine 5C là sur les challenges. Et bien nous, on va chercher et on trouve sur Twitter et eh sur oui. d'autres sites aussi une petite liste euh, abuelo combo qui régale on a fait notre petite popote avec les différentes listes on a touché un petit peu les ratios par ci par là et puis on a abouti à ça et on s'est dit bah, on va vous présenter ça et là vous dites ok je comprends rien je comprends rien à ce qui se passe là je comprends rien des listes on va vous mal. expliquer vous ne inquiétez, ne vous inquiétez pas. pas après le petit instant classico le pouce bien d'empêcher dans PC Offience, ça fait plaisir avec l'abonnement N'hésitez pas, c'est gratuit, ça nous soutient. Merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à eux, merci à vous. Et merci Ultimate Guard, lien affiché dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos petits achats, tic 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 tic, hop, la sleeve Katana incroyable, nouvelle couleur d'ailleurs qui arrive bientôt sur le site, formidable, formidable, le violet, le vert, yep. c'est fou. Euh, N'hésitez pas. Ça euh, fait merci à tous ceux qui, qui utiliseront le code, ça fait plaisir. Exact. Pourquoi le standard se cache actuellement Eh bien, vous le savez, il y a le Pro Tour à en standard qui et se oui. passe ce week-end, vendredi à partir de 20h, samedi à partir de 20h et dimanche à partir de 19h. Ça sera casté en direct sur la chaîne valet PL. Pump it up, c'est la folie. On va passer un week-end de zinzin en Pro Tour standard. Et donc c'est pour ça qu'il y a aucune liste sur Internet que vous, vous ne trouvez pas les nouvelles cartes à cache Pas qu'elles sont pas bien. C'est juste que les professionnels qui, eux, sont un petit peu les gens qui définissent le metagame, qui sortent les nouvelles decklists, eh ben, ils gardent leur secret pour les révéler oui. lors du pro tour. C'est pour ça que là, quand vous allez regarder dans les tops, il n'y a que du Raffine, du 5C et compagnie. C'est parce que tout est gardé dans la besace. Pour ce week-end, on va se régaler. Venez nous voir nombreux. Le lien il est directement dans la description. Exactement. Euh, plaisir. Si vous ne connaissez pas Twitch, c'est facile, vous cliquez sur le lien, vous y êtes, rien d'autre à faire. On est en live vendredi et samedi à partir de 20h. Et dimanche à partir de 19h. Oui, c'est tard, c'est les horaires de Seattle. On ne choisit pas, évidemment, euh, mais ça fait plaisir. Et on a du draft et du standard au menu. Draft into standard pour le vendredi et samedi. Et le dimanche, le top 8 uniquement en standard au clos. On va se régaler. C'est ça. On va se régaler. Le format, il est délicieux. Euh, <laughs> petit euh, dernier big up, Vogt. 4 fois par semaine, euh, vente aux enchères en live sur l'application ou sur le site. Vous pouvez retrouver notre compte vendeur directement en description. Lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. Bon, du coup, euh, là, avec le cast, c'est un peu chamboulé, l'emploi du temps, mais d'habitude, c'est ces horaires-là. Euh, box break, carte à l'unité, euh, magic, mais pas que. N'hésitez pas. Code la belle carte, ça vous donne une réduction pour votre premier achat en utilisant ce code à la création de votre compte. Si vous avez déjà un compte créé, c'est trop tard, euh, désolé et euh, si vous regardez cette vidéo pile quand elle sort on est en live, on est en live actuellement sur Vogue pour des cartes à l'unité, du petit bilan des tout de la petite invention, donc venez nous voir si vous avez le temps, si ça vous fait plaisir, ouais du très bon Staple Commander, Duel Commander, Moderne, Pionnière. Donc voilà, pour tous ceux qui cherchent des cartes à l'unité, ça se passe sur le live. Et si vous avez le code euros oui. gratuit en plus, bah, ça fait plaisir. Vous cliquez une petite carte gratuitement. Comment exact. ça marche cette combo euh, PL Abuelo. On y arrive enfin. Abuelo, Abuelo combo, comment ça du, marche euh, du grand-père. du grand-père. Vous allez dire, on joue Azorius, mais on a une carte Ragdos. Ça, on ne comprend pas. Alors Ragdos rejoint l'équipe. Ça va réanimer une carte de créature ciblée depuis notre cimetière avec deux marqueurs plus un plus un. Et à chaque fois qu'une créature légendaire qu'on contrôle meurt, Ragdos rejoint l'équipe inflige un nombre de blessures égales à la force de cette créature. À ah, l'adversaire ciblé. On va euh, réanimer avec Ragdos rejoint l'équipe, Métamorphe imposant. La 7-7 pour 9, qui arrive comme une copie d'un artefact ou d'une créature que vous contrôlez, excepté que c'est une créature artefact en plus des autres types, et que sa force et son endurance sont égales à la force blablabli blablu. Du coup, vous allez dire, ok, on réanime, on a une 9-9, du coup, qui copie quoi Parce qu'il n'y a pas de créature, il n'y a pas d'artefact, là, à part elle-même. Mais si, parce qu'en fait, on va pas caster Ragdos Join Up, on peut pas. On va réanimer avec Éveil d'Abuelo, pour 4 mana, on va renvoyer sur le champ de bataille une carte d'artefact ou d'enchantement non aura ciblée depuis notre cimetière avec X-Marker plus un plus un sur elle. Les X-Marker on s'en fout. C'est une créature 1-1 esprit avec le vol en plus de ses autres types. Du coup on va réanimer Ragdos en créature, donc Ragdos c'est une 1-1 esprit avec le vol euh, légendaire. Métamorph, du coup est réanimé par Ragdos, cible Ragdos rejoint l'équipe qui est une créature 1-1 grâce à l'Éveil d'Abuelo. Et qui va du coup en devenir une copie, donc un enchantement légendaire créature à 1 euh, machin, sauf qu'il garde ses stats, parce qu'il ne copie pas les stats. Donc il est 7-7, plus 7 deux marqueurs. Donc il arrive en 9-9. Règle des légendes, parce que c'est la même que Ragdos euh, de créature légendaire, ça dégage. Métamorph va au cimetière, sauf que comme il est arrivé en jeu euh, en copie de Ragdos, il a TB de Ragdos rejoint l'équipe. Donc il va retrigger le fait de réanimer une bête, il peut cibler lui-même, puisqu'il est au cimetière. La règle des légendes prévaut avant la résolution du trigger. Et du coup ça le cible, il se cible lui-même au cimetière, il revient, et comme il est parti, bah, il a mis 9, il revient, il repart, il remet 9, etc. Et vous faites des gains infinis, et ça fait plaisir. Un peu complexe, mais retenez une chose, il nous faut Ragdos et Métamorphe au cimetière. En ayant ces deux au cimetière, on fait éveil d'Abuelo sur Ragdos, qui cible Métamorph, Métamorphe qui arrive, qui cible Ragdos, boucle infinie, on a gagné. Ouais. Let's go, Donc c'est vous avez... très très simple. Hein. Deux cartes au cimetière, une carte très à 4 mana et GG. Pour le reste du deck, ce ne sont que des cartes qui nous permettent de piocher et mettre des cartes au cimetière, de s'automeler ou alors un petit peu de gestion. Vraiment classico. Exactement. Voilà, gestion. On a sortie explosive et volatilisé pour pas crever trop tôt non plus. De la meule avec plaisantin, avec fondation. Euh, de la meule pseudo avec regard fantasmagorique. C'est surveillé, mais bon. C'est de la meule sélective. Draw discard avec restauration fidèle. Draw discard avec tracer un cap. Euh, et plaisantin qui peut nous faire piocher aussi, même si le but c'est de se meuler, qui peut nous faire piocher un petit spell pour justement continuer à creuser. Et deux spell pierce parce qu'il y a des UI de contrôle, Et il faut leur contrer leur sort à ces petits méchants. On est parti. C'est du BO1. C'est ouais. pour tester euh, la decklist. On n'a pas de side. Si ça devient un deck du méta compétitif, on pourra vous refaire une vidéo avec un side évidemment plus tard. Classement 2 ouais. Alors, ça sera non, pas difficilement un, un très bon deck euh, du metagame parce que c'est un plan de jeu qui s'attaque très facilement et surtout, t'as pas de système B quoi. C'est à dire que si on attaque ton plan de jeu de base, tu peux pas gagner. Mais par contre, en BO1, avec l'absence de side et la recrudescence de mono -raid, je pense que le deck a un très bon placement en b 1 Ouais, c'est assez facile de gagner tour 4. Ouais, j'attendais l'explication. Euh, ouais. Justement, je, je la décline non. pendant l'attente du serveur. Et oui, et moi, comme en fait, je, je cut à... pour le timecode gameplay. Et ah, je peux pas faire le timecode gameplay pendant que tu parles non, les gens ils arrivent bon. es en train de dire un truc ils font ouah j'ai loupé l'info ça vous apprendra et du ça coup vous il apprendra à non passer vous pas passer et non on joue contre et non. Ouais. Et non et ça veut dire qu'à mon avis lui il est plutôt du genre à contrer tes cartes bon, j'ai euh, euh, je un beaucoup y milliard de euh, cartes qui euh, cherchent tes, ta combo donc, euh, donc go on est parti on rappelle Let's la combo de cartes au cimetière 4 mana, chez GWP je vais lander au Tawara euh... euh, du côté ouais. de Hénon. Si c'est monoret, je vais lander au Tawara d'abord pour éviter de me piquer. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Trop de fois. Et ça, c'est éphémère, hein, Que je dise pas de bêtises. Je ne dise pas de bêtises. Oh, il est dans les couleurs de l'agression. Ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît. Ok, on a déjà Allez, un au cimetière. Et je crois que je vire tout. Je vais chercher des landes là, quand même. Moi ouais, J'ai plein de sélections et tout. Ça me va tout à fait. Ok. Hum, on va jouer ça ou ça, on peut le jouer plus tard pour rejouer notre combo si on se met à Boëlo. Ouais, je pense que tu peux faire fin de tour plaisantin ici plutôt. Ouais, je crois que fin de tour plaisantin, plaisantin de ne prend quoi. pas un land, c'est ça Non. Alors mets ton stop à l'upkeep si tu trouves pas euh, avec regard fantasmagorique pour pouvoir trouver ton land. Tu as raison. Bon, okay, déjà, je de sais à nouveau près qu'il veut faire. Euh, je ah, pense que lui veut jouer. Il veut, euh, il veut jouer. Euh, comment ça s'appelle Boros Heroic voilà. Yes. Qui, euh, qui a l'air sympa, c'est le genre de nouveau deck qui pourrait être un peu surprenant ok on va reprendre à euh, ouais et c'est très bien et qui peut, euh, regard fantasmagorique pour trouver ton terrain on trouve ça, nickel clair. et je vire les deux autres non je crois que j'ai euh, envie non, de garder Ganjo tu veux garder Ganjo, ouais, veux garder Ganjo ouais, tout à fait pioche face principale on lande euh... Fondation je crois. Fondation je perds mon, mon land. Ah non, je, je, tra... ah. je vais caster tracer un cap gratuitement. Ouais, ouais c'est okay. pas mal. Parce que c'est vrai qu'on veut souvent faire l'effet meule en premier, mais euh, on peut juste faire ça. Ah ben voilà, Putain, mais c'est trop ordinaire. En même temps c'est le deck. Hein. Ah c'est le deck hein. Ah il est fait pour ça hein. C'est le deck, il est fait pour ça. On a déjà 11 cartes au cimetière. Euh, régalé. Voilà, et lui, là, il a, te te mettre, il, a, il a beau te mettre 18. Tu vas quand même gagner cette game. Et ça, c'est beau. Ça monte ah, vite. Attention qu'il qu ne qu te mette pas 20. Hein. Ah, il peut mettre 19. faut pas qu'il mette 20. Tu crois qu'il peut mettre 19 Non. Je sais pas. Non. non, mais il a le droit. Jamais. Il, il peut mettre 19. Oh, oui, oui, il a le droit. Mais il a pas réussi. Ah, ça complote. Il garde un, ah, petit... bon, bah, un peu. Un peu gentil euh, de la part de Hénon ici. On va se mêler de 4, on sait jamais. Ah oh bah ça nous fait piocher ça, c'est très bien. Allez, GG Wellplay. Comme il ça, vous pouvez voir la combo. 0. Et là on va voir si on n'a pas dit de la merde. Donc là, ah c'est vrai qu'on peut animer ça aussi. On va cibler en rejoint l'équipe. S'il connaît la combo, il a un petit playfire pour tuer le, le Rakdos. Mmh, ouais, ça sera un peu relou. On va réanimer Métamorph. Qui va cibler Allez, oui, je, le Ragdos. Je crois que je vais garder Ragdos. Et là, il y a plein de triggers. Il y a 9 points. Ah oui, ça il y fait a. Beaucoup. Il y a deux fois le trigger, pardon. Je n'ai pas précisé à la. Oui, comme ça, tu t'as pas besoin de coupler très longtemps. Oui. Bah là déjà, il y a 18 sur le stack. Donc il euh, va falloir gagner des pevs. Et non, il est là en mode quoi ah! Il fait des choses plus fortes que moi! Eh oui! Je comprends pas! Et oui et non! Je ne comprends pas cette magie! Je ne comprends pas oui. cette magie! C'est la vie Là, et non! Euh, ce que tu viens de faire, et c'est euh, détrimental pour nous, hein, euh, ce gars-là ne relancera plus jamais Arena. Il n'a pas compris ce que tu as ouais. fait, il a l'impression que tu as triché. Nous, on a perdu un potentiel abonné, euh, PL. Donc, tu me relances 2 trois games de ça, mais, mais est, après, tu touches plus, quoi. faut savoir, Val, on est des espèces de Jedi gris. On apporte l'équilibre, la est... force. C'est qu'on a, on est bizarre. Il y a on plein de gens. Les gens. Voilà, on les a on les fait rester, et après on leur coupe la tête. Mais en fait, c'est que non. on a fait une sélection ah non, de. Il y a plein de gens qui arrivent, tu vois. On les garde, ouais. on leur apprend euh, comment jouer, euh, deck budget et tout, machin, free to play. Ils sont là, ils sont bien. Mais comme il y a, il y a beaucoup d'entrants et il y a plus de place sur les serveurs là, <laughs> on est obligé d'égrener. <laughs> il y a trop d'entrants, il faut égrener un petit peu. Il faut égrener. On en envoyait certains sur les SS parce que là-bas voilà. là il y a du travail. Donc, euh, donc on y va. Mais on est sympa, on est à partir de platine. On est pas oui, avant. Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Ils, pas ils avant. ont on déjà fait un petit bout de chemin à fait, euh, tout à fait legit hein, finalement. On joue contre va en personne. Bon équipe Ouais, c'est équipe ça. Juste pas se faire full à la gueule mais bon. Ouais, vu que t'as plein de cartes pour chercher entre guillemets tes cartes, c'est difficile de full quoi. Oh, il a encore les bonnes couleurs. Oh, c'est bon, c'est délicieux. Ah, il n'y a pas de bleu, ah, moi, c'est il peut, il, peut il peut te tuer tour 3, lui. Ah ouais Mais, Mais non. il n'a pas commencé. Ah, bah, qu'est-ce que voilà. je disais <laughs> Si c'est. Euh, bah, si c'est Bros Convoque, ce il ne peut pas t'arracher, là, au tour 3 Non. Hmm. Tour 2, il va faire un truc. Tour 3. Non, c'est tour 4. Mais comme il a commencé... Ah non, c'est nous qui avons commencé, donc Alors, il va falloir j vite combo. J'ai un doute, hein. S'il fait Glaceful Démolition avec Vétéran into, euh, into la, la Chevalière, et qu'au tour 3, il fait imodan, je pense que t'es mort, vu que tu n'as absolument aucun. Ah bouquin. oui, ouais, mais il faut qu'il ait un ensemble de cartes de Zinzin, quoi. T'es on y euh... arrive. Oh, tu vas gagner 2 PV, c'est bon, t'es pas mort. Ouais, qu'est-ce que je fais, ça, d'abord Putain, Rituel. Ouais, vas-y, vas-y. C'est chiant là, on okay. veut pas discard des landes, on veut discard euh, la combo. Bon, il est pas obligé de faire la séquence dont j'ai parlé, hein, mais, euh, mais ils sont, sont ouais, chauds, ils sont chauds sur le ladder. Regarde, regarde donc. Ok, première, ah. première carte de la séquence, deuxième carte. Maintenant, Glissful démolition. Là, s'il fait Giffole démolition et Into l'autre, euh, c'est bon. Tranquille, bon. ok ok. Tranquille. Ah, mauvaise sortie, tu vois, de sa part. Ah non, il va peut-être quand même faire Giffole démolition et remarqueur. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, euh, il a pas chevalière. Mais pas chevalière, Imodan mais il y a de quand même, je crois. Bah, je vais espoir oui. ça et. Ouais. Restauration fidèle. Ah Ok. Ok, on avance. Euh, non, tranquille. Là, en éphémère. Ouais, tranquille. J'adore cette carte. 3, 4, 5, 5 et 4, 9, 9 et 6, 15. Non, il te tuait pas avec Imodan, donc ça va, tranquille. Il est bon. Franchement, c'est régu. Euh, ça ça m'étonne pas qu'il puisse te proposer cette, euh, cette véhémence-là. Par contre, va falloir très bien piocher là sur ta restauration fidèle. Ah bah, si je combo pas, je suis un peu mort. Ouais. Je pense. Ah, on devrait jouer des showdowns, Mendeck. Showdown, main deck. showdown Ouais. Tu sais, euh, lockdown. Je dis showdown. Lockdown. Putain, t'es trop bon. Gros, c'est abusé. Franchement, ça me dégoûte, PL, ce que tu fais. Moi, tu vois, ce que je trouve abusé, c'est que je tu sois étonné. Je me désolidarise. Tu sois étonné je de, ce que, de, petit de, petit de petit ce que je fais, je trouve ça étonnant. Je... C'est régue, tu vois. Gros, c'est dégueulasse. C'est combo, quoi. Je vais lancer un syndicat des joueurs traumatisés. Ouais. Et euh, tu vas voir, euh, on va te traîner en justice, mon gars. Faites, hein j'ai plein d'avocats. C'est dé... dégueulasse. Il va pour te tuer tour 4 et tu le tues à ton tour 4 sur le play. Ouais. Tu rabats juste littéralement son fun. Euh, et du coup, là, je lui ai mis 19... enfin, euh, 18 fois 2, je refuse. Voilà. Bon. Sans commentaire. Bon, on la sort pas celle-là. Je crois que c'est trop, C'est problématique. Celle-là, on... Celle on la sort pas. Celle-là, celle vous, la... vous la verrez jamais. On... on parle à personne du coup. Je la fais comme si c'était une vraie vidéo, mais celle-là, personne ne la verra. Oui, bon, bah, lancer pour lancer. Vas-y, augmente euh... un peu mon rang. Je prends. Moi, j'aime bien. On me faire passer mythique là. Je suis chaud. Hein. On passe mythique dans chaque vidéo. <laughs> tu sais, tu sais ce qui m'arrange un peu là, c'est que j'ai une envie de pisser énorme. Ouais. Et je sens que je vais pouvoir y aller dans pas longtemps. Je pense que ça va aller. oui. Mais gros, tu... il s'est passé quoi T'as été touché par la grâce cette nuit ben, En draft, j'ai une petite période, là, comme, comme souvent, où euh, le jeu m'a bien cagué dessus. Donc je pense okay. que là, le jeu se dit, bon, euh, je crois qu'il a compris, c'est bon. On peut lui offrir des games un peu normales, quoi. On peut lui donner 2 trois games. Ok, il joue encore les couleurs que t'as envie de voir. Parfait, ah, ça dépend. Discard, euh... ah, discard ça, c'est un peu chiant. Je crois que je vais euh, faire ça ouais, dans je... la fidèle. Ouais, complètement. C'est pas le pire je crois Contre lui Ouais 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 J'ai envie de garder mes lands en fait Non non mais c'est vrai Bon là En landant Azorius Il voit ça Normalement il commence à se dire hmm, Ça pue Ça pue Ça pue du Sgeg Parfait Ouais on pourra partir en combo Avec Espoir Volatilisé Fin de tour Donc ça il n'y a pas de Il a pas trop de problème C'est régu. Il n'y a pas de galère ah, ça, c'est de la merde. Ok, euh, je parle de combo, mais tu auras, auras une restauration fidèle fin de tour. 4 oh, oui, landes, en, fois, en contre, 23. Quatre gens, Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 landes là, sur 23. Moi, je, franchement, sur cette vidéo, déjà, je suis un peu mal à l'aise de ce qui se passe. Donc, je peux pas t'entendre te plaindre. Vraiment, parce que si on la sort, on va avoir des problèmes. Pelle. Non, non, mais je peux me permettre de me plaindre parce que la vidéo euh, ne sortira jamais. Ah, oui, d'accord, ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis bête. Ah. Je crois que tu dois, tu dois restaurer. Ah, tu le laisses choisir ta restauration. Bah, je peux la casser si il cible. de toute façon, il va cibler ça. Ah là. oui, ah oui, ok, oui, c'est vrai. Ah oui, tu peux interagir sur le trigger, je suis con. Un point. Euh, et ça. Qu'on garde du moins. Là, va Après, falloir dans le même de te met tellement pas de pression ouais ouais il te, il te met tellement pas oui. de pression que tu t as le temps de trouver ce qu'il te faut quoi ouais qu'est-ce que je veux là en fait je vais utiliser mon plaisantin donc tu veux ah, rien je crois si tu utilises ton plaisantin tu vas aller chercher directement la combo ouais hop le tour. Ah bon ok, je vois ce qu'il fait. Tu peux le spell pierce. Bon, ah, je fais... en fous. Ah, Je préfère plaisantin et potentiellement boon, c'est ça pour combo, non euh, Ouais, mais faut que tu sois très chaud sur plaisantin, là, pour euh, combo. Faut que je meule les deux bonnes cartes. Ouais, ok. Non, mais. Ça, hein. euh... ça, ah, ça peut-être peut ah ouais non parce que si je pierce et que je fais plaisantin qui a la combo je peux pas bouncer combo dans le même tour si je trouve pas de land Je crois que je l'aurais pierce pour retarder un petit peu pour nous donner plus d'avance plus mais en vrai là si t'es touché par la grâce euh, let's go Alors je te montre la grâce Oh putain la grâce ouais, ouais. J'ai euh, vu, j'ai vu, vu la grâce Oh du coup euh, je fais ça pour scry Euh, c'est une première partie. Le truc, c'est que si je le mets en dessous, euh... tu le revois pas. Oh, mais tu peux rien en faire. Bah, je peux le discard avec un spell. Ok. Maintenant, j'en ai un donc. Euh... Je vais euh, présenter. Ouais. Ok, là on va souffrir un peu. En fait, dès lors qu'il a de la gestion de cimetière, ça peut se complexifier un peu. Et c'est bah, bien. Ça, c'est peut-être notre potion pour sortir la vidéo au PL. Ouais, du coup, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on perd ce match, et c'est bon. C'est rééquilibré. perd ouais. ce match, exactement. Ouais. Euh, en fait, ouais, il fait nous, discard cartes dans dit, on on est des cimetières. Des, donc, euh, est on, est je, on est des Jedi, on est là pour l'équilibre de la force. tu vois. Euh, franchement, sur les deux premières rondes, t'étais un Empereur-Site. Donc, euh... donc là, si je perds deux, c'est normal. J'en perds deux d'affilée, la vidéo sort. Je, donc, si vous voyez cette vidéo, je pense que, que c'est normal. Un juste retour de l'équilibre des choses, ouais. Si tu gagnes ça là, je t'appelle euh, Pelle Patine. Ça me va, Pelle Patine. <laughs> je t'appelle juste Platine. Ah c'est marrant, il y a pas de bon choix. C'est comme tout à l'heure, tu reprends ça ou, euh, ou pas? Il prend Ragnos. Son, son cadavre déségaré, là. C'est sympa. Mm. Ça met la pression. Ok. What Il a pris quoi Espoir. Bah, il doit avoir okay, un, ouais. une autre. Okay. Il a compris. Bon, mais faut que tu trouves un draw discard, maintenant. Ouais. Je trouve... Le spell Azorius qui fait draw 2 discard 2. Sur les deux cartes, je trouve. Oh, C'est de la merde ça. Équilibre de la force, spell. C'est de la merde ça. jour Tu pourrais réanimer quoi avec Eveil d'Abuelo Attends, parce que tu peux jouer ta carte aussi. Euh, je peux réanimer ça. Et, euh, et genre, on se positionne comment sur ce idée Je réanime ça, ça me fait juste meuler 4. Et ensuite, je vais exiler Veidabuelo. Ah bah non, il va m'enlever Veidabuelo. Non, c'est ouais, pas, pas très bien. Ok. Mais t'es mort, du coup On quand même la gorge. 4, 5, 6, 7, 8. Il euh, n'y a pas de euh, bête. Ah non, il faut. Ah si, il y a de deux bêtes, putain. Si il si, m'a tué ma bête. Si, ouais, tu, tu es mort. J'aurais dû contrer euh, son droit à la gorge, je n'ai pas capté. Bien joué, euh, Jack Marsh. Bon, déjà, une défaite. Peut-être que la vidéo sortira si on en repère une. Peut-être que la vidéo peut sortir. Rien n'est moins sûr. On est, on est passé à ça. J'adorais que le titre, euh, pour une fois, il ne soit pas en majuscule, il soit juste en minuscule. Genre en mode, euh, ne pas sortir la vidéo pour MP4, tu vois. Et juste, on en sort <laughs> comme ça. C'est méta, ça, sur YouTube Il y a des gens qui font ça Franchement, euh, ça sort. Je pense qu'il y a beaucoup de clics. Juste parce que c'est en mode, oh, qu'est-ce qui se passe Je peux regarder la vidéo qui ne veut pas sortir en fait, c'est un prank. Est-ce est que tu tombes dans la range du putaclic mensonger ou t'es dans le putaclic juste très aguicheur et, et c'est cool Moi, je trouve que es dans le t'es dans l'escape le, game, quelque part. Moi, tu je, trouve, je trouve que t'es dans, dans le génie. Ouais, voilà. Oh, la taupe bon, bah, si, si vous avez cliqué pour cette raison, vous, vous, savez, hein, <laughs> vous savez que du coup, euh, PL est un génie du mal. Oh, du mal. Je vous ai fait passer un bon moment. Ah, bah, vous auriez peut-être pas passé non. sinon. J je l'ai dit, hein. Elle est pas trop mime cette petite taupe là, regarde ça. Ah, ouais. Les traces bizarres là. Ouais. Ça, tu sais ce que c'est euh, normalement les traces qu'on qu check avec une lumière violette comme ça. C'est euh, le lait. Quelqu'un mal nettoyé du lait. Le lait. Le lait d'homme dans les hôtels. <laughs> le lait d'homme, putain. <laughs> ah là là. Le jus d'homme un ça aussi ça veut nous cabosser la tête hein, je connais ouais je vais voilà, en tu, tu peux garder tu peux le garder comme ça tu fais ton, ton truc de la troisième voie avec tracé un cap le truc de la troisième voie et tu trouves ouais regarde ta euh, fondation de la troisième voie et tu euh, et tu pourras jouer ton tracé un cap donc tu le pioches ça tu paraît le pas pioches, mieux land ah oui ouais d'accord ouais. je pense que ok hein. ouais je pensais faire restauration fidèle mais euh, oui ça marche aussi de... Bah là t'as rien à discard spécifiquement donc... Euh... Ouais. Premier effet. Bah si j'ai un truc à discard. Je vais casser ça. Ah parce que t'en veux... veux deux de métamorphes Ok. Ouais je vais ouais, discard les peux, deux dans tous ouais, les cas ouais, je mais... Tu peux, t'aurais pu euh... effectivement, ok. Bon là on va me les 4. Gagner de PEV. Encore une fois s'il si a on la on sortie champagne euh... c'est chaud. On réaffronte, bros convoque. Bah déjà il l'avait pas. Autour deux il l'a pas fait donc euh, il y avait pas de galère. Sorti son champagne c'est vraiment ah oui non c'était autour deux. Ouais, ouais, ouais. euh, on est peut-être euh, dead. On est peut-être dead mais tu peux gagner oh. des PV. Tu peux gagner des PV et euh... et en fait ouais c'est lui qui a commencé quoi. Ouais. Ah, tu, peux, tu peux y aller en rituel, ça te donnera peut-être l'opportunité de trouver une... J'ai quoi en, é... en rituel que je pourrais trouver Là, en fait, je veux trouver un Boons pour pas crever. Boons et combo et avec, Imodan, tu... avec Imodan, tu meurs, tu prends 2, plus 3, ouais. plus 3, ouais. Tout pile. On va voir, écoute. et non rituel, Avec euh... tes 2 PV, tu meurs pas sur Imodan, je crois, tu prends pas 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, je prends 11 pile mais avec les 2 PV, ça passe c'est ça par ah, contre s'il rajoute un, un... Ouais. un drop 1 ouais s'il rajoute un drop t'es mort après faut il faut qu'il y ait double imodane en 10 cartes quoi ouais, ouais. bah tu les connais hein. ils sont forts euh, tu, tu peux alors attends je que que trouve Boons voilà parfait bon, t'es très fort parce que plaisantin ça te permettait de chercher plus loin euh, ouais mais j'avais pas les deux pev là il me fallait deux pev et ouais, Boons que... et non je suis mort là en fait euh, Imodan tout court ça mettait 11 donc il fallait que j'ai Boons et deux pev ah, oui, alors tu, tu passais à 10 si t'avais euh, Boons. Mmh. Ah ouais Ouais. Je crois. Hein. Bah là, le, si, on, si, tu, si tu passes à 3, c'est que c'est que c'est le cas. On vais là. lui enlever ça. Je renvoie pas un imodane. Hein. Non, non. Il me faut un quatrième land et en même temps. Euh... En fait, là, je suis mort parce qu'il me faut land des combos. La, la euh, truc de la troisième boîte, ça va te permettre de faire quoi Ça m'a meulé 4 déjà. Ça me permet de rejouer un éveil d'abuelo qui sera au cimetière. Ok, donc. Euh... Ouais, il me faut donc, land. Euh, ouais. ouais, tu dis de faut land et tu peux trouver ton. Ouais, non, mais il faut payer. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu prends. En fait. Ouais, je suis perdu dans les calculs, je vais reprendre le, le fil de la game, on s'en fout. Hum. Non, je vois pas comment tu t'en sors là. Je bounce un truc, ça. Je gagne 2 PEV, je suis à 5. Et il met 5, putain. Ouais, tu peux pas comboter. En fait, dès lors qu'il a eu le play contre toi, ça t'a détruit. quoi. Ah, C'est sûr que je peux pas combo. On va essayer ça voyez ça. Ça. Ah, mais je repère un pev encore. Ah, putain, cette landa qui nous baisse complet. Et, et là, là, tu euh... voulais restauration fidèle, regagner 2 PV et ensuite retrouver un boon, c'est ça Ouais. Ah, ouais, t'étais même pas payé, le Ok. Ciao. C'est bon, vous allez pouvoir la voir cette vidéo. La vidéo peut sortir, c'est bon. Petite DR, parce qu'on est à 2-2, on va essayer de faire euh, 3-2. ou... Euh, oui, quand même. Quand même quand ou 2-3. Bon, le deck est bah très je... all-in. Hein. Si j'ai le choix, je préfère 3-2. Si tu me demandes. Je préfère 3-2 aussi, ouais. Mais pour les biens de... du ladder. 2-3, c'est. Les biens du ladder, mieux. tu penses que c'est mieux 2-3 Ouais, c'est vrai. Mais 2-3, c'est. C'est mal orienté, tu vois, parce qu'ils vont se dire ah 2 3 donc le deck est pas si ouf alors qu'en vrai euh... il est pas très bien eh ouais, alors que le deck en fait il est il est dingue, c'est un est, deck de il est très solide. Bon, ça c'est moins dingue Un quoi. deck de site. J'ai aucune carte de discard et trois Ragdos join up Après j'ai deux landes. Ouais mais si tu fais plaisantin ah. et que tu trouves n'importe quelle carte de discard, je crois que ça se garde. Ça se garde, j'ai ça aussi pour creuser. Ça se garde et con et contrainte, ça attrape pas euh, plaisantin. Donc je crois que c'est OK. Commencer par ça. Euh, bah, c'est bien. Je suis coup. déjà assez fort. Ah, on sait ce qu'il fait lui. Ok, ça, ça nous va. Bah, voilà. Je fais ça ou plaisantin Je pense que tu fais ça. Plutôt ça. Ouais, ouais tu gagnes du temps au maximum là. Bon ben bah, voilà, aucun problème. J'ai la combo. Par, Par contre, contre faut trouver des landes. T'as pas commencé. J'ai pas commencé. Je crois que tu fais. Euh, attends, mets un truc à l'upkip. Regarde fantasmagorique pour être sûr de trouver ton land et ensuite tu restaurationnes euh, fidèle. Je restaurerai fidèlement. Ouais. Non, tu restaurationnes, c'est-à-dire que tu rationnes un restaurant. Ok. C'est en deux mots. Resto, rationne. Ouais, ouais. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on finisse par perdre cette game. Pioche. si principal. Land. Et il faudra que je trouve un land sur mes trois prochaines cartes. Un land d'étape. C'est ça. Ça devrait le faire. Premier tour. Euh, bah d'ailleurs, trouver en un vrai, land. les deux PV, ils sont bien. Je surveille 3 donc je vais avoir quatre cartes. Si ouais, j'ai pas ouais, besoin des deux PV, c'est mieux ça. Oula. C'est ça. Bah tu vas voir si te l'étale si ou pas. <laughs> je pense que ça se pense c'est pas facile à faire. Ah ça. Ici, oh, parce que par des bêtes, c'est ce bon. De... Spoiler, il va pas te les faire. Non bah du coup euh, du coup euh, va chercher dans quatre cartes ouais complètement. Ouais. Et on est d'accord, j'ai bien mis le combo au cimetière. Hein. Ouais. Hop là hop là. Ah oh, putain code de commerce euh... ça marche pas. Ouais, j'enlève tout hein. Ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix du tout. Land Oh yes. Oh yes Oh let's go Régu hein Putain euh, le top deck Mais c'est fou parce que 0. ce deck c'est genre tu tues ou tu meurs quoi, il y a pas de... Exactement. Euh, Ragdos. Ouais c'est ça. Il y Lui. Je garde lui. Oh, J'adore que la première combo met déjà 18. Ouais. Lui. T'as pas besoin de beaucoup cliquer quoi. Je garde lui. Et là je le fais un là. Jusqu'à ce que je me fasse timer. Refusé. Quel Plaisir, oh, ok, mais quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Non, c'est bon, tu vois. Quand je revois ça, j'avais oublié. Je suis à deux doigts de me dire, non, finalement, ça sort pas quand même. En fait, j'allais dire que j'adore, mais on adore que Dieu. Ce que la je suis pas la mais ça me fait rire. C'est bien, Eh ben, c'est bien. C'est oh, bien. bien ce deck en vrai, franchement. Oui, c'est marrant. C'est un peu un deck ah, Screaming marrant. Emergence, sauf que Screaming Emergence, ça peut tuer tour 3. Et que lui, tu tour ouais. 4. Mais ça, c'est plus régu. Mais ça, c'est plus régu. Plus, bien plus régu, quoi. J'aime En vrai, pour monter le ladder BO1, c'est un tuto, quoi. Cette ouais. vidéo. Ouh. Je pense que tu montes vraiment le ladder BO1 Ouh. avec ça assez facilement. Fin de cette vidéo. Bon, bah, en masse hein. Voilà, attention. Hein. Euh, ceux qui veulent partir en BO3 avec du side, vous allez rencontrer le side des adversaires. C'est pas votre side le ouais. problème. C'est euh, le ça un petit peu plus. Ah, ils viennent d'éditer euh, Rest in Peace en plus qui est légal, donc vraiment. genre euh, Rest in Peace, c'est très dur. C'est très très dur. Donne la vidéo, pousse le commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.